Nancy. Arnulfo. Ik ga deze expert maar eens vragen waarom Art Nouveau en Nancy zo'n goed stel zijn. C'est parce qu'en 1871, l'Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées par l'Allemagne. Tout d'un coup, il y a beaucoup de Français qui se trouvent en Allemagne et qui ne veulent pas y rester. Ils décident de déménager et ils atterrissent ici, à Nancy. Nancy est resté français. Et donc, parmi ces gens-là, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de gens riches qui peuvent se permettre d'acheter l'art nouveau. C'est pour ça que cet art nouveau va être si important à Nancy. Heel veel Art Nouveau vind je in het prachtige Musée de l'École de Nancy. Ik leer er dat deze kunststijl praktisch nut verenigt met esthetiek. Maar eigenlijk is Nancy zelf één groot museum. Even pinnen. Wow. Het is weliswaar geen typische Art Nouveau, maar het Place Stanislas is wel onmiskenbaar het kloppende hart van Nancy. Waar je prins heerlijk tussen al het goud lekker glaasje kunt drinken op het terras. En zelfs tijdens het eten vind je hier Art Nouveau. Ik ga namelijk dineren in het beroemde Flo Excelsior. Yes, ik mag een kijkje nemen. Meehelpen? Wow! Ja, super. Oui. Ja, super. Merci. Super. Ik ga nu serveren aan de directeur. De directeur, il a toujours faim. Je vous souhaite un bon appétit. Oh, merci. C'est un musée Art Nouveau et ce qui est agréable, c'est que c'est un musée vivant. Contrairement à un musée où tout est posé, on n'a pas le droit de toucher. Là, on le vit, on est au cœur du musée. Donc c'est ce qui est agréable de pouvoir déjeuner ou dîner dans un cadre Art Nouveau et puis de boire un petit vin. Et de pouvoir fêter son centenaire avec beaucoup de plaisir. Et comment? Alors?